Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Bienvenue dans Si on sortait. Dimanche à la MC2, ne manquez pas Charlotte Gainsbourg à 19h30 avec son album Reste aux sonorités électropop. La chanteuse et actrice se livre ici comme jamais dans une œuvre de deuil avec des morceaux en français et en anglais. Elle évoque notamment dans le titre Kate la disparition de sa sœur avec des paroles déchirantes. À la source de Fontaine, à 20h30, retrouvez Ivo Livi ou le destin d'Yves Montand. La pièce a reçu le Molière 2017 du meilleur spectacle musical. C'est une narration originale, moderne et poétique entre humour, musique et la vie d'Yves Montand par 5 artistes. À Alpexpo, c'est les derniers jours pour faire un petit tour au salon Artisa et Naturissima. Artisa, c'est la plus grande galerie d'artisanat d'art de la région. Couture, papier, bois, verre, terre, céramique et j'en passe. Naturissima accueille les visiteurs en quête de bons et de naturels. Produits de beauté, santé, alimentation, jardinage, etc. Espace 600, c'est Ellie James qui fait le show avec Lumière, 4 courts-métrages pour plonger le public dans des rêves éveillés. Sur la scène, Ellie James s'entoure de claviers en tout genre et mêle pop, indie folk et musique minimaliste. C'est un ciné-concert entre projections de films, ombres portées, voix et boucles d'instruments. Et puis ça y est, c'est le début des fêtes avec l'ouverture des marchés de Noël de Grenoble. Comme chaque année, rendez-vous au marché de Noël Place Grenette Victor Hugo et au marché de Noël équitable du Square Docteur Martin. Au menu, de nombreuses animations, bijoux, produits du terroir, jouets et possibilité de casser la croûte bien sûr. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.